La 14e édition du camp diabétique annuel de TDIAMS s'est tenue du 25 au 29 juillet à Sonny-sur-Mer à Riambel. TDIAMS, c'est une association qui regroupe les diabétiques de type 1 avec les bonnes familles. Et l'association a pour but de soutenir les diabétiques de type 1 dans toute la vie de tous les jours, que ce soit au niveau médical, au niveau social, au niveau psychologique. Et nous avons une équipe qui est composée de différents spécialistes en diabète, spécialistes en nutrition, spécialistes en psychologie, en social, qui fait que là aujourd'hui nous avons un staff à plein temps qui est de 17 personnes et avec différents autres collaborateurs qui endocrinologues, psychiatres, etc. qui aident nous bénéficiaires. J'ai commencé en 2008, le premier camp à l'époque. Nous avons pensé que le camp c'était une affaire très facile et nous allons visiter à l'île de la Réunion à un camp de l'AJD, aide aux jeunes diabétiques. C'est une association française qui fait ce camp là-bas. Nous nous rendons compte qu'ils sont très loin du compte avec tout ce qu'ils ont mis en place en termes de sécurité médicale, sécurité alimentaire, etc. Et nous prenons ça comme leçon et nous alignons avec les normes qui sont là-bas. Et en 14 ans, nous évoluons aussi, le contexte évolue. Et le but du camp, c'est principalement pour nous de nous assurer que tout ce qui nous fait au cours de l'année, l'IPC vient à quelque chose. Il permet de nous capables d'évaluer les connaissances, les compétences de nos bénéficiaires, parce que nous sommes 24 heures sur 24 pendant ces quelques jours-là. Donc nous sommes capables de trouver s'il y a certaines techniques qui ne sont pas bien adaptées, qui ne sont pas servies à l'instrument qui se besoin de tous les jours pour faire de la glycémie, pour faire de l'insuline, etc. Donc il permet de nous capables de trouver qui quitte ce qui peut marcher, qui peut moins marcher, et ça permet nous, dans nos accompagnements qui nous font, resituer nous, la façon de nous procéder, les sujets qui nous abordent pour le mois, les semaines qui poursuivent le camp. Et parce qu'il nous fait aussi une visite à domicile, nous allons aussi à l'école, nous allons aussi dans la commune de Médicien Travail. Donc nous sommes capables, avec le camp, faire une évaluation, un état des lieux. Et là, nous réadapter nos accompagnements par rapport à ça, ben, besoin que nous pouvons identifier éventuellement. Maurice, nous consommons le diabète. Nous savons que c'est le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Là, vous trouvez les enfants avec le type 1, au fait, c'est ce qui est arrivé, c'est le pancréas qui peut produire l'insuline. Le type 2, par contre, le pancréas peut produire l'insuline, mais c'est seulement le récepteur, ben, soldat là, qu'on dit, pas pécard de travail là-dedans. C'est pour ça qu'il trouve la différence. Type 1, tu vas bénéficier d'une bonne patient, c'est sur l'insuline. Et ben, le type 2, tu as un médicament, il y a plusieurs médicaments, mais ben, dans le médicament, des tablettes, et aussi, bien souvent, vous êtes en surpoids, donc. Essayer de faire une démarche, prendre un petit poids, et ça aide beaucoup. Alors, étant donné que tu as beaucoup d'activités hier, donc là, tu peux expliquer bien qui peut manger, qui dose d'insuline pour faire. Parce que surtout avec l'activité physique, tu as une grosse tendance pour tomber dans l'hypoglycémie, que la cyclaline tombe. Bien, en fait, on a deux affaires, on a hypoglycémie et hyperglycémie. Que l'hyperglycémie, c'est quand la cyclaline monte. Mais plus souvent, quand on a l'activité physique, vous tombez dans l'hypoglycémie. Okay? Donc là, nous expliquons quelque chose qu'on appelle le resucrage. Donc, vous êtes poids, qui quantité d'ici que vous apprenez, combien vous attendez la glycémie venue, là après, qui vous avez mangé. Ça, c'est un affaire bien important parce que très souvent, quand vous êtes dans l'hypoglycémie, vous n'avez pas trop cassé la tête, vous n'avez pas trop connu, mais vous commencez à prendre d'ici, vous n'avez pas connu combien d'ici que vous prenez, vous prenez un bonbon. Mais c'est ça qui est important ici. Nous vous expliquons pour refaire sa glycémie et retourner à la normale. Et après ça, en fait, nous avons besoin d'affaires avec des glucides. Parce que là, quand on finit de stabiliser la glycémie, les bourcaves vont retomber. Avec les succulentes, nous regardons les bien en stable. Donc, ils vont rester jusqu'à la prochaine phase de réalimentation. On a deux affaires qui sont bien importantes, qui nous expliquent. Nous prenons beaucoup de temps pour expliquer tous les bénéficiaires, tous les personnes qui nous. Un, c'est l'hypoglycémie sévère, que tu as trouvé une personne qui a un bénéficiaire, rentre dans le coma. Ou une hyperglycémie sévère, que tu appelles Malaka, rentre dans une acidosis. Bien souvent, quand tu as un docteur, c'est n'importe quoi, il appelle diabétique ketoacidosis. Okay. Alors,
L'hypoglycémie sévère, le gros souci là-dedans, c'est dans l'âge, ok, et que l'état va arriver n'importe quand. C'est ça, quand nous trouvons une glycémie, une dépasse une vie de moins que deux, bien souvent, quand nous pensons que c'est une hypoglycémie sévère. Et le souci là-dedans, quand ça va arriver quand c'est pédéomie. Ok, donc là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous connaissez, autour vous êtes. Une allongée, une accabrée, une coincée, une paralysée, l'eau, l'hiver. Le cavale, vous êtes autour vous êtes, une presque coincée, paralysée. Au fait, ce n'est pas une paralysée. C'est tellement dans une hypoglycémie sévère là-dedans, qu'ils ont pris dans la force, non, ils ne peuvent pas abuser. Vous trouvez, ils ne peuvent pas même dire, non, ils ne peuvent pas crier, ils ne peuvent pas causer, non, ni l'armée ne peut pas pousser, ils ne peuvent pas pousser. L'hypoglycémie sévère, en fait, le problème que tu as fini dans l'acidosis, c'est tellement ils ne peuvent pas contrôler la glycémie pendant un long bout de temps. Donc ça commence à causer des complications. Et là, la glycémie qui, tellement ils ne ressentent l'hypoglycémie, les colonnes commencent à produire de l'acétone. Donc, là, c'est ça qu'on appelle un diqué ou un acidosis. Là, ça, on y est, ça, comme ça, on trouve une acétone dans l'écho. Emergency, ils nous amènent à l'hôpital. La méthode, parce que là, le traitement est vraiment, vraiment différent. La fois, il est assez compliqué, ou quand on est dans l'ICU. L'hypoglycémie sévère, en fait, là, zéro d'une façon, on refait, on prend un disque, là. D'un acide disque, on remonte sa glycémie, là. Et l'hyperglycémie sévère, c'est là où explique que bon, une unité d'insuline qui consiste à faire une correction pour vous. Ça dépend de l'âge, le poids, il y a beaucoup de facteurs. Qui, ça. Donc, nous, moi, même l'équipe médicale, nous explique que ce qui vient, tu les bénéficiaires, ok? Nous calculons, nous finissons que bon, voilà, une unité pour baisser la glycémie par telle quantité d'unité. Donc là, nous finissons que donc, tu bizarre à prendre, faisait voilà combien d'insuline pour faire. Vous êtes carré retourné un peu à la normale. Le plus grand traitement avec le diabète pour l'instant, c'est l'éducation. Quand on détecte des êtres avec diabète, là, vous avez vraiment commencé à éduquer. Qui vous a fait, quand vous avez fait, quoi, qui vous fait là-dedans. C'est ça, j'ai un extra grand rôle. Nous là pour à l'écoute pour les personnes, veut dire il y a moi-même et nous l'équipe derrière qui là pour écouter la pour écouter ma personne, ma maman et tout. Et le thème c'est j'ai l'envie, j'ai besoin pour qu'ils nous capables nous faire un process personnalisé pour ban là. Parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde j'ai besoin, j'ai l'envie, c'est différent. Alors là nous là pour l'écoute bien sûr. Quand nous venons au camp, c'est pas juste nous mettre l'emphase sur le diabète mais aussi par rapport à social et psychologique. Au début, c'est vraiment difficile pour les parents, pour les enfants c'est ne pas vous dire qu'il n'est pas difficile, c'est difficile parce qu'ils sont dans une routine. Mais pour les enfants, c'est comme dire, quand ils peuvent grandir, à mes yeux, qu'il y a une routine, pour eux, c'est OK, ils peuvent habiter avec lui, jusqu'à qu'ils peuvent grandir avec lui. Mais pour les parents, c'est plus difficile. Moi, une cause qui vient derrière, c'est pas de donner trop beaucoup de disques, mais c'est pas que ça. Ces enfants-là, c'est les cours même qui répondent comme anti-bizarre. Et malheureusement, ils ont été diagnostiqués de diabète de type 1. Alors, mes parents, ils appellent le camp. Ici, pour qu'ils aient le soutien, comme on dit, psychologique et social. Et aussi, quand ils viennent au camp, c'est qu'ils trouvent un soulagement. Parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas les autres qui peuvent passer dans ma situation, mais il y a les autres parents qui l'ont. Alors, c'est une source de motivation, une source qui encadre les autres et qui encourage les autres, nous voulons dire. Moi et Shilpa, nous sommes les parents de Réa, qui finit diagnostiqué avec la diabète de type 1 en juin dernier. Alors ça fait un an. Donc, il finit passer à peu près 3 semaines à l'hôpital Djidjou, 1 semaine en soins intensifs dans le coma pendant 2 jours. Et puis, suite à ça, il finit admis dans la salle pédiatrie pendant 2 semaines pour établir le traitement avec l'insuline. Et puis, Alors tout le temps, on finit d'entendre dire Tidiam dans les médias. Alors, qui est toujours à l'hôpital, on prend contact avec l'association. Alors, ben là, explique-moi qui position, parce qu'ils ne m'ont pas connu non, là-dedans. Alors, qui ce traitement, il consistait avec un appareil pour checker sa glycémie. Alors, la glycémie, c'est quoi? Il guette ce taux de sucre dans le sang. Et puis, avec l'insuline, tout ça. Alors, tout ça, c'est nouveau. Alors, d'une cause avec l'association nous informe nous. Qui l'hôpital bien provide nous, il bien donne nous sur l'appareil glycémie et puis sur l'insuline tout ça là, d'accord. Et là,
association, mais tu vois, moi, fini, prends contact, fini, non? L'association reprend contact avec moi, évidemment, aussitôt qu'Iréa sorti à l'hôpital, vin zoenzot là-bas. Donc, nous allons aller. Nous avons dit, pas trop connu que l'association trouvait. Mais l'association dit à nous, mais, si nous sommes capables, arrive jusqu'à Katboun. Et puis, ils viennent prendre nous en voiture là-bas. Et puis, l'aventure commence avec ce traitement. Alors, nous venons être formés. Former comment pour faire l'insuline. Bah, l'association finit à nous quoi manger, comment manger, qui quantité manger, et puis aussi comment faire l'injection bien. C'est pas seulement faire l'injection et puis retirer tout de suite. Non, elle a une petite façon de faire. Moi, je pensais quand Réan vient diabétique, moi, je pensais handicapé. Moi, je pensais qu'il allait à l'école spécialisée. Alors, il y a beaucoup de questions qui traversaient. Et bien là, je suis à l'écoute. L'association à l'écoute. Je t'explique nous. Il n'est pas handicapé, il a des enfants normaux, il mange tout, mais il a une façon de manger pour ne pas tomber dans hyper et hypo. Ça, c'est un nouveau thème technique qui nous apprend. Et puis cette année-ci, Réa commence l'école pré-primaire. Et ça aussi, l'association finit accompagner nous le premier jour. Le jour de l'admission, Mme Lakshmi était là. Alors, il nous joint tous un professeur là-bas, il explique, il cause. Réa a 3 ans cette année, il grandit, il évolue. Alors, il a des enfants normaux, il a tous ses caprices. Il a cela joie, ce sourire. Mais voilà, l'an dernier, l'association est venue pour le camp qui était non résidentiel. Quand je suis rentré dans le transport, les a mal réalisé combien d'enfants il a sa maladie là. Alors nous venons là, nous sommes tous les gens. Quand nous venons là, quand nous venons au camp, si, comment dire, c'est un temps de repos pour nous parents. Alors l'association prend Réa en charge, que ce soit pour les glycémies, pour l'insuline. Et puis ce qui est intéressant pour Réa, il amène les autres enfants qui sont malades. Je fais ça ensemble. Peut-être à la maison, je suis alone, je suis seul. Mais ici, quand on est là pour faire glycémie, tout le monde lave la main organisée. L'an dernier, nous tiens un psychologue qui cause avec nous. Parce que parfois on a une appréhension. Qui est rien une faire pour nos enfants arrive ça. Mais la psychologue explique nous, dit pas faire nous, comment dire, culpabilise nous. Comment dire, quoi, nous faisons une erreur dans nos parcours. Alors, nous avons un soutien. Alors, nous avons aussi témoignage avec les autres parents qui t'expliquent nous un peu au début. C'est un adolescent qui nous trouvait aujourd'hui. Là, nous autres, à l'époque, nous n'avons pas tenu insuline Novo Rapide et Levemir. C'était une seule 2 injections par jour avec une longue aiguille. Alors, qui s'en évoluait. Ben là, nous avons une essence, une nouvelle génération. Mais espérons qu'avec le temps, nous sommes capables d'évoluer encore. Capable de gagner une nouvelle façon de faire traitement, tout ça là. Bonjour, moi c'est Madame Chedi. Ça c'est ma fille, Tenbi Chedi. Il a 6 ans et il est diagnostiqué l'année passée, en octobre. Au fait, je suis pas comme quand même, qui tu peux gagner parce que tu commences à rejeter, quand il sort de l'école, sur la tête fait mal, sur les pieds fait mal. Je ne suis pas trop comprendre et tu commences à boire beaucoup de l'eau de la nuit, de l'eau. Et faire pipi beaucoup. Et manger aussi, il y a une tendance à manger à chaque fois, grignoter, manger des affaires, refermer, regarder après manger. Et. Mais il arrive un moment, je suis fatiguée avec ça. Là, je suis comme mon matin, je me dis à chaque fois qu'il me mange des affaires, il me finit d'intervenir, et aussi, il reprend, il remange, il n'y a pas assez. Jamais, tu connais, nous avons essayé de checker sur la glycémie, on a fait mon pharmacien. Monsieur Razal, elle a dit comme ça, faire un petit test avec lui, comment dire, faire lui faire pipi, essayer de mettre ce pipi dans un petit coin, guetter si pour mieux venir. Attention, il y a un petit affaire, nous guetter, nous checker. Ce qui est arrivé, c'est dans la toilette même qui tient beaucoup fourmi. Mais mon pli commence à flipper, mon papa comprend. Pour moi, de là, il tient choc parce qu'il est vraiment extrêmement fort, c'est-à-dire le petit. Je suis à l'hôpital, il me fait 3 jours là-bas. Mais après ça, nous retournons à la maison. Il est là, mon monsieur, c'est son camarade. Mais qui arrive, ce petit fille, il est là, son camarade, il a contact avec M. Vineba ici. Il est là, M. Vineba, il téléphone nous, à T-Jams. Il est là, M. Vineba, il fait nous venir, il vient un jour, moi, avec lui, il explique nous. Mais c'est moi, je n'ai pas accepté sa situation. Pour moi, en tant que maman, je ne peux pas accepter cette situation-là. Tu sais ce que tu peux dire à moi, franchement, je veux dire, oh, mais tu blagues. Je peux causer à moi, mais tu blagues.
comme Vinland, j'ai une diarrhée, j'ai comme un labo, j'ai un narcissique, j'ai un docteur avec M. Vinoba, l'infirmier, que j'ai avec moi, il explique c'est quoi le diabète et que, comment il a hyper et que hyper-sévère. Mais là, à Aster, c'est grâce à Tidjam. Aujourd'hui, vous êtes mes enfants, il est là, il est correct, il est en bonne santé. Et il y a des bas de haut de la santé, je ne sais pas si non, mais il est bien. Bon, moi, je peux dire à mes parents, pas être les hommes, parce qu'il y a beaucoup de parents pas dire, parce que quand moi, je connais sa situation, je ne sais pas personne. Je me dis, comment vous avez quelqu'un qui peut dire que ses enfants ont un problème. Mais ici, quand je viens à Tidjams, maintenant, je suis Je me joins à une personne. Mais pour là, comment dire, je me suis sorti de là, comment dire. C'est vrai, c'est une conception qui nous a, parce qu'il nous montre ici qu'il y a un diabète type 1. Et pas du tout, c'est une condition qui nous gagne, c'est pas nos enfants là qui nous gagnent. Nous disons les enfants parce que Tidjams accompagne de plus un âge. Et bien sûr, il accompagne les adultes. Quand il y a une prise en charge et éducation thérapeutique, quand il y a un psychologue qui accompagne et tout, il y a un nutritionniste qui accompagne ces personnes-là, quand ils sont capables, quand ils apprennent à adapter nous la vie. Donc, pour dire qu'il y a une fatalité, pour moi, non. Nous devons apprendre à adapter nous la vie. Aussi que c'est tout l'environnement. C'est même une personne, nous y aller comme ça, c'est une personne normale. Il besoin d'une certaine hygiène de vie en général. Il besoin d'être adapté sur la façon de manger. Ou parce qu'il nous dit un type 1, pas capable de manger et d'ici, vous pensez qu'il est important qu'il nous dit d'ici quelquefois capable de sauver la vie. Un diabétique de type 1 qui peut tomber en hypoglycémie. Donc, Tidjams, il est important de dire que Tidjams accompagne toutes ces personnes-là pour qu'ils soient capables de reprendre eux, pour qu'ils soient capables de gagner sa confiance en eux, parce qu'au départ, c'est un stress. Au départ, c'est un. Dans la tête, nous dire c'est une fatalité, mais nous apprendre à vivre avec lui au jour du jour pour nous capables de gagner la vie. Normal, nous allons dire, quoique pour moi, une personne atteinte de type 1, il a la vie normale. Nous tout le temps dire qu'il nous interdire, on apprend ça d'un médecin, et il ne fallait pas nous interdire. Parce que l'interdire, c'est une frustration au niveau de la personne pour se dire qu'il est différent des autres. Parce que ça, type 1-là, dit une personne normale à part entière. Un diabétique de type 1, c'est un diabète qui a toute son énergie, toute sa capacité, mais il besoin de l'encouragement, il besoin d'une acceptation de son entourage. Il y en a aujourd'hui un tabou autour de diabète de type 1, il y en a une famille, il y en a des enfants qui sont dans la même maison et que les grands-pères, grands-mères, pas même connaissent qu'ils ont fait un diabète de type 1. Si ça n'a pas changé, ben, nous pouvons avoir un diabète qui peut bien rester caché. Il n'est pas pour cause la situation, il n'est pas pour réussir sur l'examen, il n'est pas pour réussir sur la vie finalement parce qu'il n'est pas accepté sa maladie. Donc il faut pouvoir les accepter parce qu'ils ont fait des choses magnifiques. Nous avons un athlète qui est diabétique de type 1, nous avons un sportif de l'association, nous avons une étudiante aujourd'hui qui est en HSI qui se bute de devenir médecin. Cette année-ci, on m'a donné l'opportunité de venir en tant que volontaire sur l'équipe médicale, surtout en sachant que l'année prochaine, je souhaiterais commencer mes études en médecine. Après au moins une dizaine de camps en tant que membre et bénéficiaire, c'est quand même un assez grand changement de venir sur l'équipe en elle-même.
Au lieu de voir les autres faire pour moi, je fais maintenant pour les autres. Je suis en train de redonner ce qu'on m'a donné. Je suis très contente d'avoir pu faire ça, d'avoir pu apprendre de nouvelles choses malgré après 14 ans avec le diabète. J'apprends toujours de nouveaux trucs avec les médecins, avec les autres bénéficiaires que je vois tous les jours à prendre la glycémie, à aider avec leur correction et leur injection. Et puis je pense que surtout en tant que moi-même, en tant que membre, je peux leur comprendre sur un point de vue émotionnel un peu plus profond et ça m'a aidé vraiment à bonne moi-même avec mon propre diabète. Donc c'était vraiment être à l'écoute, pouvoir comprendre et être là pour les bénéficiaires. Nous prenons beaucoup de mois pour faire l'organisation du camp, surtout qu'il y a dans l'équipe médicale. Nous avons à peu près 7 volontaires cette année. Nous avons la participation de Polytechnique Mauritius pour les infirmières. Nous avons Middlesex qui est là, comme nous avons un intern de psychologie. Nous avons nos médecins, nos psychologues, nous avons nos nutritionnistes, nous avons nos social workers. Et aussi, ce qui nous gagne beaucoup de volontaires qui nous viennent de nous, parce que le camp, c'est quand même un nombre de personnes qui vivent avec le diabète. Il y a quand même à peu près 50 à 60 personnes qui sont là et qui nous demandent un traitement de ban glycémie, ban injection régulier. Alors, nous avons besoin d'un encadrant. Alors l'alimentation pour une personne qui vit avec le diabète de type 1 est différente avec une personne qui vit avec le diabète de type 2. Alors là, ce qui nous met l'emphase surtout, c'est une discipline concernant la nourriture. Ça veut dire qu'ils ont besoin de manger après 20 piqûres d'insuline. Alors à revoir aussi qu'ils ont bien mis sur l'assiette. Ça veut dire que les repas doivent être des repas qui sont équilibrés. Et nous faire surtout attention par rapport à la quantité de glucides qu'il y a dans les repas. Et parce que c'est ça même qui fait monter la glycémie le plus. Nous aussi servi les collations entre, parce qu'il y a une activité physique qui est faite, une activité qui demande des efforts physiques. Alors nous avons servi une collation appropriée, dépendant de la quantité d'énergie qu'ils ont dépensée, pour qu'ils nous évitent des problèmes de glycémie baissée ou bien la glycémie qui monte aussi. Justement, le camp, c'est une opportunité pour nous pour faire cette éducation par rapport à la nutrition. Alors déjà, la façon dont les repas sont servis, de comprendre que c'est quoi l'équilibre alimentaire, c'est quoi un repas équilibré. Et aussi, c'est bien jeune, alors cette envie mange de tout. Et pour les diabétiques de type 1, pour les jeunes qui viennent avec le diabète de type 1, peinant restriction par rapport au repas. Mais juste besoin qu'on ait en modération et à quel moment manger. Alors par exemple, il y a les desserts aussi qui sont servis après les repas. Alors je comprends aussi comment inclure un produit qui est sucré dans cette alimentation. Et aussi par rapport aux activités physiques, qui est une collation qui est appropriée quand avant de faire un sport, avant de faire quelque chose qui demande un effort physique. On a reçu beaucoup de sponsors pour nous réciproquer pour tous les repas. Alors il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner qui est servi, alors qui demande beaucoup de nourriture, beaucoup de légumes, et beaucoup de poulet, etc., beaucoup d'aliments protéines. Alors le Lions Club de Moka a sponsorisé les légumes pendant tout le long de la durée du camp. Alors on a reçu beaucoup de légumes, beaucoup de salades, et ça nous a permis de préparer les repas comme il faut. Je suis Christina David du Lions Club de Moka. Je suis accompagnée donc d'autres membres du Lions Club de Moka. Le Lions Club de Moka fait partie donc du Lions Club international. Et un des cinq axes majeurs du lyonisme, c'est le diabète. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Mais en fait, ça fait déjà plusieurs années depuis que nous collaborons avec TIDIAMS pour les aider lors des camps. Et nous pourvoyons en nourriture, c'est-à-dire en légumes et en salades pour tous ceux qui passent des journées ou leurs soirées ici pendant cette semaine, donc pour sensibiliser cette maladie qui est le diabète.